Et on va s'envoler maintenant un peu de développement économique avec notre invité Michael Glor. Vous êtes le directeur France, Luxembourg et Pays-Bas pour Lufthansa. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Voilà, c'est plutôt une grosse actualité qui vous attend, puisqu'à partir du 9 avril, il y a une nouvelle destination qui va se créer à partir de l'aéroport de Strasbourg-Ensheim sur Munich. Pourquoi ce choix comme ça de s'ouvrir sur le hub munichois? Écoutez, pour nous, on a une stratégie de province en France, donc on n'est pas uniquement à Paris, le Lufthansa Group, donc Strasbourg, ça fait partie de la province, c'est une ville très dynamique et on est très fiers d'ouvrir cette connexion. Voilà, vous êtes très fort sur la ville de Francfort, ça on le sait. Munich, vous ciblez quelle population pour les amener à Munich au départ de Strasbourg? Munich, c'est à la fois une ville qui est, en tant qu'économique, elle est très forte, mais aussi touristiquement, elle est très intéressante. Après, derrière, il y a tout un réseau de plus de 140 destinations qui sont proposées. Donc, vous faites le choix. Voilà, parce qu'on connaît un petit peu de l'Allemagne, Francfort, qui est un vrai hub, au même titre que Paris-Charles de Gaulle. Munich se positionne comment par rapport à un Francfort ou à un Paris, hein? Je sais bien que Francfort, vous connaissez bien ici, ouais. Grâce à la ligne bus qui ouais. est déjà mise en place. Munich, c'est l'aéroport qui est beaucoup plus dynamique, il y a beaucoup plus de croissance Lufthansa. Les nouveaux avions A350 qui sont la dernière génération des longs courriers sont basés à Munich et l'aéroport lui-même est connu bien pour sa qualité supérieure par rapport aux autres aéroports en Europe. Donc on partira de Strasbourg et arriver sur Munich, on pourra rayonner un petit peu partout en Europe, c'est ce que vous dites. 140 destinations, 46 pays. Ouais, c'est pas mal quand même. Combien de vols à partir de Strasbourg vont aller sur Munich chaque semaine? On vous proposera 5 vols par jour, du lundi au vendredi. À partir du 9 avril avec un avion avec 90 sièges. Ok, donc, ouais, c'est bien, c'est une bonne jauge déjà. Est-ce qu'il y a d'autres lignes que vous allez ouvrir? Parlons de l'Alsace, parce que c'est celle qui nous intéresse. Est-ce qu'on peut imaginer que Lufthansa propose d'autres lignes prochainement au départ de Strasbourg? On a travaillé sur le plateau ouest de la France dans les derniers 2 ans. On a ouvert Nantes et Bordeaux. Aujourd'hui, cette année, c'est Strasbourg et c'est tout. Ça sera ça. J'ai regardé un petit peu comment se situait la première compagnie aérienne européenne en nombre de passagers et c'est vous. Oui, on a un petit peu plus de 130 millions de passagers en 2018. On okay. a eu des bons résultats l'année dernière en espérant maintenant que ça continue grâce aussi aux Strasbourgeois qui... Qui vont les bienvenus prendre les sur lignes. Nos lignes, exactement. Voilà, je rappelle que vous êtes le directeur France, Pays-Bas et Luxembourg. Comment ça s'organise la concurrence? Comment s'organisent les offres avec la concurrence? On sait que Air France, deuxième compagnie, ou Ryanair, c'est un petit peu compliqué sur les chiffres. Peut-être que vous pouvez me répondre, Lufthansa première, deuxième c'est qui? Pour vous? En tant que passager, ouais. c'est Lufthansa, c'est la première. Et en deuxième? Je pense que c'est Ryanair en Europe. Ryanair en ouais. Europe. C'est quoi la concurrence? Comment est-ce que vous luttez? Vous luttez sur les prix? Vous luttez sur des nouvelles liaisons pour être le plus partout? Alors le prix, bien sûr, c'est très important. Donc il faut toujours être compétitif par rapport à prix. Après, il faut jouer la qualité. Et là, je pense que grâce à nos hubs, donc aux aéroports, Munich particulièrement, qui est un aéroport de qualité, qui est connu pour la qualité, pour des bonnes connexions. C'est facile pour les passagers aussi de changer de vol, d'aller sur les longs courriers. Après, je pense que Lufthansa ici, en Alsace, c'est bien connu, apprécié aussi. Donc, je pense qu'on rentre dans le cadre, on sera compétitif par rapport au prix. Le direct jusqu'à Munich, c'est à partir de 79 euros. D'accord. Donc, voilà. Et on pourra enfin partir de Strasbourg et aller à peu près partout en Europe. Moi, ça me va. Hein. Pas seulement en Europe, mais aussi en long courrier. Hein. En long, aux en US, en Asie, il y a beaucoup de destinations en long courrier également. Voilà, Michael, c'est une ligne à suivre. Ça s'ouvrira le 9 avril.